c'est une équipe qu'il connaît très très bien. Voilà, et maintenant ils ont changé aussi de système, donc c'était un peu différent pour le coach, mais ça reste les mêmes joueurs qu'il connaît par cœur. Donc il nous a dit les points forts et les défauts de ses joueurs, et on essaie d'appliquer ces consignes aujourd'hui. Bah, ik denk dat hij wel elke speler besproken heeft van Gent, omdat hij ze natuurlijk heel goed kent van toen. En de sterktes en de zwaktes, maar vooral wel de sterktes. En waarvoor we moesten opletten. En, ja, ik denk dat het vandaag wel goed gelukt is in het algemeen. En ik denk dat we in het algemeen ook wel de controle hadden. Ik denk dat in première mi-temps, on aurait peut-être l'occasion de marquer un but, mais voilà, c'était un match assez équilibré. Et puis deuxième mi-temps, je pense qu'on a levé notre niveau de jeu et on a été récompensé par ce but. Ja, ik denk dat we de eerste helft wel de controle hadden, niet zo heel veel kansen. We hebben een paar keer kunnen dreigen. En dan de tweede helft een beetje hetzelfde, denk ik. En dan hebben we uiteindelijk wel kunnen scoren. En het laatste moesten we gewoon nog met z'n allen verdedigen. En dat hebben we ook gedaan. En, met een overwinning als resultaat. Dus dat is plezant. Tout d'abord, déjà, je vais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et un bon réveillon parce que ça va vite arriver. Donc voilà, je souhaite à tout le monde le meilleur pour cette nouvelle année qui va arriver. Surtout la santé parce que c'est ça le plus important. Bah, ik wens iedereen een prettige feest toe en een goed eindjaar en ook een heel mooi nieuwjaar. En ik hoop dat jullie met z'n allen na de winterstop ook in grote getalen ons zullen komen steunen.